Le transport en commun à Brazzaville au rythme du morcellement des courses à l'ère de la Covid-19. Dans les bus, le nombre de places limité. Difficile pour les conducteurs de ces moyens roulants de faire de bonnes recettes. Le phénomène des mitraillettes s'impose. On n'arrive même pas à s'en sortir. Bon, nous sommes obligés en fait d'augmenter le prix et de faire des demi-terrains pour avoir des recettes. Mais sinon, avec 150 francs et les nombres limités, la circulation est maintenant vraiment pas tellement bien. On souffre, disons. Donc, en fait, pour moi, j'aimerais mieux qu'on remette les choses normales et le bus revienne à 150 francs. Ça nous arrange. Dans différents arrêts de bus, l'attente est longue. À la station du CCF, du Texaco à Wenzé, et ailleurs, les bus qui arrivent sont quasiment remplis selon les mesures édictées par les autorités pour lutter contre la Covid-19. Pendant ce temps, le prix de la course dépend de l'humeur de ces contrôleurs de bus. $250 francs CFA, c'est la somme à débourser. Malgré ces 250, mais on est habitué. Ah ben oui, pas de souci. Le modèle de gestion de la crise par les autorités est d'un mauvais goût à laisser entendre un Brazzavillois. C'est ce que vous voulez. Puisque même le prix de panier de la femme est déjà dedans dans le transport. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça, il faut gouverner comme ça. C'est ce que vous voulez. Vous voyez comment les Congolais souffrent, mais vous regardez. Selon les autorités sanitaires, la vaccination est l'une des mesures conséquentes de lutte contre le coronavirus pour une reprise normale de la vie.